Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 10 déjà sur Silent Hill Origins. Et comme quoi, il n'était pas si court que ça hein, ce jeu-là, donc on va continuer. Et ouais, Silent Hill 3 de mémoire, je l'avais fait en 12 épisodes il me semble, donc on est quand même dans le même moule. Alors nous sommes toujours dans l'hôtel. Alors nous avions une clé qu'on va utiliser immédiatement, mais on a aussi ça là et un calendrier rotatif. Pourquoi il m'a mis le 13? Oh non, ne me dites pas que je me t'ai planté la dernière fois. C'était le 12. Je sais plus si j'ai. On va tester vite fait. Sur les 1900. Parce que la dernière fois, j'avais trouvé dans un accès un peu étroit, un calendrier avec 12 février coché, on va dire. Par contre, j'avais pas fait attention à l'année. Peut-être qu'on n'a pas encore la réponse, hein, mais bon. Tant pis. On va aller au manager's office. Peut-être qu'on aura... c'est pas ça? Où est-ce que je vais, là? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je crois que c'est là, plutôt. Voilà. Et on a vu dans un trou de chambre d'ailleurs que le boucher se tenait là tranquillement dans sa chambre. Oh non, c'est ces gros machins! Le gamin, ils se tenaient là, ils ont dit qu'il était là depuis 10 heures, j'ai fini par pleurer toutes les larmes de mon corps. Un truc comme ça ne devrait pas arriver, la possibilité, ça verrouillait la chambre, je rentre à la maison. Donc ça parle de nous. Étonnant qu'il ait aucun souvenir, Travis. Ce sera peut-être expliqué. Meuble de classement. J'avoue que j'aurais aimé qu'il interagisse un petit peu plus quand il voit les éléments là, parce que... private. Arrête le joystick. Alors on a deux portes. Sachant que... Que rien du tout, on va aller là. Ah non, c'était là où je voulais aller. Bon bah tant pis. Bon. Ce calendrier là, ça m'énerve. À la réception là. On va déverrouiller ça. Voilà, c'est fait. Caméra, merci. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde un
trucs, on va aller voir. Ah! Non, on va pas aller voir en fait. Qu'est-ce que c'est? On a une porte ici. J'ai l'impression qu'il est coincé par contre. Hein. Donc on va le laisser dans sa. Dans sa mouise. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé. Mais ça m'a touché. Les armes à feu. Non. Je vais pas examiner. Parfait. Ah, on a des trucs là. Enfin, des boissons de santé. Alors par contre, le fusil là, le fusil d'assaut, je m'en suis jamais servi. Mais ouh là là, c'est un magnum. D'accord, c'est ça le sauveur. Ok. Ah, je suis bien armé par contre. Hein. Que je me trouve là en 108 chambre 108. Arrête la caméra, putain, le truc il me bouge tout seul, c'est pénible. Il y a encore toute la cour intérieure, hein, pour lequel on n'est pas encore allé. On pourrait potentiellement y aller par le landromat ou la salle de dinner pour dîner, mais si on passe uniquement par la cuisine. Et là, on aurait toutes les... Oh là là, oui, oui, on a encore plein de choses à fouiller. On n'a pas fini, les amis, hein, je vous le dis. Et alors ça, par contre, c'est très cool. Je ne sais plus quelle nation est ce drapeau. À quelle nation appartient ce drapeau. Mais c'est très cool et sympa. Fermé. Ah, j'aurais parié qu'elle était fermée, celle-là. Tiens, pour la carabine en plus, c'est parfait. C'est ce que je suis en train d'utiliser. Dans les armoires, il n'y a vraiment rien d'utile. Hein. Et là... Rien d'autre non plus. Bon, bah. C'est bien, en fait, j'ai utilisé de la carabine pour en reprendre. Donc, celle qui ne sert à rien... Je ne sais pas combien il y a de boîtes, de cartouches dans une boîte, mais s'il y en a deux par boîte, c'est comme si j'avais rien fait. Chambre 105. C'est fermé. L'andromat, est-ce que ce serait pas la buanderie? Verrouillé de l'autre côté. Ça, c'est un petit, ça. Oui, c'est un petit. Alors, le petit, je vais reprendre ça. Ok. Parfait, ça suffit. Encore. Soit le gros de l'autre côté que j'ai laissé tranquille. Voilà. Réserve de poubelle. Ok. Du coup, et puisque le landromat est fermé, donc on va devoir passer par les cuisines. Quelqu'un s'est tombé dessus avec un couteau. Oh, vous le sentez là, le boss? Vous le sentez, le boss?
Je recharge tout. Et je vais m'équiper d'autres choses. Je vais m'équiper la carabine, tiens. Je sens que le boucher va être ici. Dans les cuisines, là, ça va être dans son élément. Attention. Attention. En plus, le... Ouais. Allez, dingo. Bon, il tue un démon, ça c'est pas du mal. C'est bizarre ce qu'il a à gauche. On dirait un Pyramidhead naissant. Mec, je ne sais pas qui est Pyramidhead dans le jeu Silent Hill 2, je sais juste qu'il existe. Oh la vache. On va faire neige. Sacré de caméra. Non. Il va falloir faire que je fasse attention aux recharges. Hop, on va recharger de suite. Il y a 4 balles. Par 3, ça me semble pas mal parce que 4 c'est limite. Hein. Mince, j'ai dit que je rechargeais. Ah là 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 là, je me mets en danger comme un couillon. J'ai eu le temps de recharger. J'ai eu. Ça c'est pas mal. Ah, bah on le prend pas, on l'achève. Bon, on s'en est pas trop mal sorti. J'avoue que j'ai fait l'imbécile en prenant l'autre truc. Les munitions de pistolet de service, j'en suis où là? Parce que je l'utilise pas mal là. Ah bah c'est les 6 dernières, donc on va changer munitions de tir. Ah ouais, on va reprendre ça. Hein. C'est bon, je crois qu'il est bon là. Eh ben, ah j'ai pris quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. Ça doit être une arme de mêlée vu que c'est en bleu. Crochet à viande. Bon, ça va. Et franchement, les boss sont vraiment faisables dans celui-ci. Il n'y a pas de problème. Du moment qu'on reste à distance. Mais ouais, j'ai vraiment fait l'imbécile en rechargeant au mauvais moment. Ok. Alors. Dinner. Qu'est-ce qu'on a ici? Des bouteilles vides couvertes de poussière. Ah, ils sous-traitaient le boucher de la ville, hein? Ah, et on a une salle de sauvegarde. Je
connais aucune des chansons de ce jukebox. On a un petit papier ici. À ma femme absente, je sais que quel que soit mon enfer, le tien est pire, mais c'est très dur. C'est comme si tu étais morte, mais tu ne l'es pas. La Hélène que j'ai aimée est partie, mais ton corps est encore là. Je dors seul depuis 2 ans, je suis devenu si amer, si minable. Je ne suis pas un bon père pour Travis. Parfois, je ne peux même pas le regarder. Que faudra-t-il pour te ramener? À toi pour toujours, Richard. D'accord. Donc ouais, il se sentait méga seul et il juge qu'il n'est pas bon en tant que père. Oh, le boucher, quoi. Allez, on va se mettre sur la sauvegarde 4. Écrasé, oui. Par contre, on est loin d'avoir fini le motel encore, là. Hein, on est d'accord. Ce qui veut dire que s'ils nous foutent un boss alors qu'on n'a pas fini le motel, ça veut dire qu'on va en avoir un autre. Par déduction. Puis on a tout le deuxième étage, ici. Ah, il y a un cœur au niveau de poule. Je ne sais pas pourquoi. Et oui. Oh là là. Il y a de quoi faire encore. Et on est encore que dans le vrai monde, je rappelle. On va essayer l'andromate. La musique est juste énorme. Comme ça, on va pouvoir déverrouiller aussi de l'autre côté. Il me faut un jeton ici hein, pour faire quelque chose. Ok, le mec ne me lit même pas la note. Balèque quoi. Allez, il faut aller tout en bas. Alors, guide des symboles, pré-rinçage, trempage, lavage à 30, lavage à 60, lavage à 90, vitesse lente, vitesse rapide. Ah bah, ça, il nous avait donné l'indication à savoir ce qu'il fallait faire. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là peut-être. Non, c'est pas celui-là. Note du concierge peut-être. Oui, c'est ça. Le type étrange de Cléopâtre. Ok. Alors, je vais mettre jeton. Je vais tout noter, comme d'habitude. Jeton. Réinitialiser. Ok. Peut-être que ça sert à rien, ce que je fais. Hein. Vitesse lente. Ok. Lavage à 60. Vidange. Puis pré-rinçage. Voilà. Je vais déverrouiller ça, ce sera fait. Voilà. À mon avis, c'est celui qui est bien mis en évidence, sur lequel il faut manipuler. Ça se prend pas, cette petite boîte rouge, là? Bah non, ok. Alors là, du coup, j'imagine qu'il va me falloir un jeton. Avoir un petit jeton. Ok. Au moins c'est noté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez, on va faire tout le rez-de-chaussée cette fois-ci avec la chambre 101 fermée. Vert.
suis à la recherche de jetons de lavage. Ok. Les 200, 202. On ira voir la piscine après. Pour finir les chambres. Ah, 201, c'est ouvert. J'espère que j'ai rechargé ma carabine comme un. Ah, attendez, j'ai un petit problème. Hop. Non, c'est bon. Ah non, j'ai pas... Ça fait deux fois, hein. Dans le même épisode. Là. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette carabine, par contre. Dommage qu'il n'y ait que deux balles à l'intérieur. Les caches vides partout, la puanteur. C'est tout ce qu'il y a. J'ai fait ça pour rien. Bon. Eh ben, pardon. Et la chambre 202 fermée. Ok. L'état des lieux, Rose Suite. Ah, attention, c'était là où on avait regardé à travers le trou. Le verrou est cassé ou bloqué. Non, et la dernière. C'est bloqué aussi. Game room, on a le bar et le deck, et on a la piscine aussi. Je vais aller voir la piscine. Pas du tout par là, je vais aller. Qu'est-ce qu'il y a dans cette piscine? Ah, ben non, en fait, c'est juste que la piscine est en forme de cœur. Je peux voir quelque chose briller au fond du bassin. Mais il va pas pouvoir y aller. La poubelle d'ailleurs. Ben non, monsieur ne veut pas se tremper. Faut vidanger l'eau. Enfin Travis, avec toutes les saloperies que tu touches, que tu vois, tu veux même pas aller dans un tout petit bassin d'eau. Un peu étonné là quand même. Allez, on va faire la game room. Qui est ouverte. Que de billard. Est-ce que je peux prendre les 4? Ben oui. Parce que nous, on a des poches exceptionnellement grandes. Qui joue à je sais pas quoi là. Je ne
fume que quand je suis heureux. Ah, ça veut dire que visiblement il ne l'est pas. Game Room, c'est une pièce seule, pas d'autre sortie. Je ne veux pas de cigarette maintenant. Un flipper? Il y en a un qui joue au flipper? Le flipper est cassé. Je ne crois pas qu'il soit branché. Ah bah le voilà, le tokens, le jeton. Le flipper ne fonctionne pas. Bien. Et bah le jeton, on sait où est-ce qu'il va nous servir. Dans la boulangerie. About this afternoon. It's okay. I just want to play the pinball. Sure. There. I'm going back to the room for a little while. Wait for me here. Ok. Je suis déjà venu ici aussi. Alors. Le bar, je crois que c'est ici, hein. C'est cassé. Alors, maintenant qu'on a fait tout le rez-de-chaussée, avant d'aller dans les chambres du haut, on va aller dans la machine à laver. Attends. On va s'occuper de la machine à laver. Alors. Mêlée, on s'en fout. Provision, on s'en fout. Objet. Ok, la machine s'allume. Ah oui, il faut que je revoie le document à quoi correspondent les programmes là. Donc note, manuel. Alors, il n'y a pas réinitialisation, non. Donc on a vitesse lente. Je vais essayer de dessiner en gros, hein. Voilà, on a le lavage à 60. Lavage à 60, c'est un truc comme ça, avec deux petits points à l'intérieur. Voilà, on a la vidange. La vidange, c'est le carré avec plein de gribouillis à l'intérieur. Et la petite flèche vers le bas. Et le pré-rinçage, c'est... Hop, un carré avec un arc de cercle à l'intérieur. Ok. Apprends à te servir d'une machine à laver avec Silent Hill Origins. Alors, vitesse lente. Non. Je veux vitesse lente. Que c'est que ce truc là? Voilà. Ensuite, je veux un lavage à 60. Voilà. Je veux la vidange. Voilà. Et le pré-rinçage. J'y arrive. J'ai la clé Cléopâtre. Et il y avait un petit monstre dedans. On a des vêtements sales. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cléopâtre là? Est-ce que ce serait pas à l'étage? Cléopâtre, si. Alors, on a trois suites, Lucretia, Nero et Cléopâtre, et on a les chambres 211, 212, 213, 111, 112, 113, 114. Bien. Alors, je propose qu'on monte ici d'abord. On va finir par les suites en dernier. Est-ce que ma carabine est rechargée? Oh, c'est ouvert.
personne dedans. Oh, la musique est juste exceptionnelle avec le piano là. Qu'est-ce qu'il est bon. Avec une télé débranchée. Très bien. Next. Verrou cassé. Il regarde quelque chose. Ah, il y en a un petit là-bas. Passer tranquillement sur les côtés. Alors l'essence est bon. Il nous reste dans les 200, 212 et 213. 212 non. Et 213 non. Allez, il ne nous reste plus que les suites. Les suites, on a... Ah bah la fameuse Cléopâtre, on va la faire en dernier celle-là, porte bloquée et... Et porte bloquée aussi. Bon, et bah allons-y pour la Cléopâtre. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ça y est, on a fouillé toutes les salles, hein, il me semble. Oui, puisque le bar, on pouvait pas y aller. Donc ça y est, on est passé partout dans ce monde-là, après qu'on aura fini de fouiller celle-ci. Télévision portable, ok. Rien de foufou. Vieux magazine. Munitions pour carabine. Il va falloir qu'on trouve une clé pour la chambre 500, hein. Je le rappelle aussi. Hein. Dommage qu'on puisse pas lever la caméra parce que le tableau, est-ce que ça aurait pas été allé ça? Avec un vêtement violet. Je ne sais pas. Alors il y a une photo ici. Cause de la mort, morsure de serpent. On va voir un serpent géant ou quoi? Yone? Pour une vulgaire photo. Et là, la petite note là, non? Non, attendez. J'ai l'impression d'entendre des rires en fond. C'est pas l'autre là qui baisait là. Qu'on avait juste vu un vêtement. Attendez, mais c'est quoi ce bordel? Ah, il met un symbole au fond. On va retourner au fond. C'est le symbole du lit ou non? C'est à gauche, dans la baignoire. J'ai loupé quelque chose. Ah non, on peut rentrer par là. J'avais pas vu. On peut accéder à l'étage du dessous. Vous pariez que c'est Lisa? Je parie que c'est Lisa, moi.
j'étais sûr. Avec Kaufman. Lisa. Travis. You have a habit of popping up where you're not wanted, Mr. Grady. Isn't it time you left town? I can't. Try harder. Ok. Bon, elle avait pas l'air d'être violée dans quoi que ce soit. Oh non ! Non, 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 non. On ne part pas encore dans l'autre monde. Non, non, non. Ça faisait longtemps, tiens. Du coup, j'ai coupé la super musique. Je suis désolé. Et oui, moi, j'aimerais bien me casser d'ici, mais on peut pas. De la poudre blanche. J'essaie de rester loin de ce genre de choses. Oui, je disais, elle avait pas l'air d'être pas consentante du tout, mais après, il y a de la poudre. Alors attention. Hein. En tout cas, il a bien profité, Kaufman, hein, parce que depuis le temps qu'il est là, parce que ça faisait longtemps qu'on avait regardé par le trou du truc. Machine à écrire. Ouais, bon, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon. C'est tout ce qu'il y a ici. Des munitions ici. Qu'est-ce qu'on a là? Kaufman, nous sommes presque prêts, mais nous devons nous dépêcher. Je sens que notre influence sur son pouvoir s'affaiblit. Je crains qu'elle ne tire de la force du noyau que je tiens. Je vais l'abandonner, caché dans l'obscurité. Il sera en sécurité. Grady ne reviendra probablement pas ici. Il est encore en ville à chasser les fantômes. De toute manière, il ignore l'ensemble de la chose. Cette fois-ci, le rituel réussira. Dahlia. Ah ah! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Dahlia. Bah depuis le début du sanatorium. Non, c'est pas ça que je veux faire. On est où, là, du coup? On est toujours dans la... Ah non, on est dans l'étage du dessous, je suis bête. Ok, bon, bah là, on n'a pas d'autre choix que de prendre le miroir. Ça va être crado. Allez hop. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde ténèbres dans la chambre de Lisa et Kaufman? Mais non! Je veux pas repartir, je viens d'arriver. Même si je préfère ce monde-là, mais quand même. Ah, c'est pas vrai, ça. Perte de temps, j'aime pas ça. Allez. Ouais. Oh, punaise. Résistant ici, tiens. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Elle fait beaucoup moins sympathique cette chambre, hein, ici. Hein. Vers la piscine, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre ici? Alors, il va falloir faire attention parce que, bah, du coup, il va falloir tout revisiter. C'est génial. Je kiffe. Thank you.
pense que en plus de mémoire, les salles de sauvegarde sont pas au même endroit dans les deux dimensions, évidemment. C'est trop facile. Alors, avant de remonter, on va essayer la game room, tiens, en tant qu'on est là. Ah bah, elle n'existe plus. Ok, le bar. N'existe plus. Et tiens, ici, on s'est essayé la piscine. Enfin, si on peut, bien entendu, je suis pas... Ah, mais si on peut, regardez. Il y a un escalier de l'autre côté. On va essayer. M'étonne hein, que ce soit vide ici. Hein. Un bijou en forme de cœur. Et qu'est-ce qui nous dit ce bijou en forme de cœur? Provision. Quand je le secoue, j'entends résonner quelque chose à l'intérieur. Et tu peux pas essayer de l'ouvrir. Non. Bon. Soit. On va essayer bah, les chambres 200 quelque chose. Ah, c'est embêtant de revoir, d'essayer de rouvrir les choses. Verrou cassé. Ok. Les 200 en rez-de-chaussée, c'est bon. On va essayer les 100 maintenant. Ah, il y a des balles ici, ça me va très bien. Mission carabine. C'est exactement ce que j'utilise, donc c'est juste parfait. Bah, elle est où? Ah, bah elle n'existe pas, ok. La 103, elle est là. Cassée. La 102. Ah, la 102 est ouverte, attention. La 102 est ouverte. Visiblement, il n'y a personne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose non plus. Ma foi, c'est quand même glauque. Hein. On est bien dans du Silent Hill. Hein. Bon. Eh bien, sortons. Il n'y a rien de spécial. Je suis où, là? Ah oui, ok. Par là, on va tester la 101. Cassé, ok. Bien, avant de tester Dinner et l'Andromate, on va se faire l'étage. Parce que j'imagine qu'il va falloir rebrousser chemin, je pense. Donc, autant faire les étages maintenant. C'est ouvert, mais j'ai entendu quelque chose arriver en courant. Pour l'instant, les chambres, c'est plutôt calme. Marrant, j'ai l'impression qu'il y a moins de monstres dans ce monde-là que dans le normal. Ça devrait être l'inverse. Par contre, il n'y a rien du tout. Hein. Mais alors, rien de rien. Alors attention. On se prépare psychologiquement. Je vais vous casser. Je vois rien. Qu'est-ce qu'on a encore au fond? On a encore une chambre, la 114. Ah, il est là. Ouf, c'était encore limite. Je joue avec le feu. Hein. Ah, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chambre secrète? Storage. Ah ouais, il y a une petite salle bonus, là. Oh bah, c'est fermé. C'est ridicule.
celle d'Horus. Je pensais. Dans le vrai monde, il n'y avait pas cet accès-là. Je vais vous casser. C'est ouvert. Trois plombes après la guerre encore. Hein. Bravo, K.O. Heureusement qu'il n'y avait personne. Ah, oh, c'est dérangeant. Et ces chambres vides. Oh, à quoi ça sert de m'ouvrir les portes? Il n'y a rien du tout. C'est pas vrai, ça. Bon, j'en suis où, là, au niveau des chambres? Bah, ça y est, les 200, c'est fait. On va faire les suites. Alors, la suite Cléopâtre. C'est cassé. Ah, oula, il y a quelque chose, là. Une fente étroite. Ça ne marche pas. Tous les tétraèdres, on ne peut pas les mettre. Ça, on ne peut pas l'utiliser. Et ça, ça sert à rien. Ok, bon, il y a une fente étroite. C'est quelle chambre? J'ai entendu quelque chose. La Nero. Ah ben, bien. Un parvenu. Allez, relève-toi. Voilà. Qu'est-ce que je kiffe cette carabine. Verrou cassé. Bon, là, du coup, il n'y a que la Nero qui nous intéresse. Ok. Alors, on a le choix de partir soit par la salle de dîner, soit par la buanderie. Je propose la buanderie en premier. Ben, elle n'existe plus. Eh ben, ce sera dîner. Parfait. J'espère qu'il va pas y avoir le retour du boucher dans la cuisine. La dague ornementale. Est-ce que c'est pas là où il faut mettre la... Dans le Nero, là. On va essayer après. On va voir. Déjà, est-ce que dans la cuisine, on peut y aller? Ah, non, on peut pas y aller. Donc, on va retourner vers le Nero. Il n'y a pas de salle de sauvegarde ici, on est d'accord. Hein. Par contre, ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé. Hein. Donc, j'espère qu'il va pas y avoir un gros machin... Hein, qui va nous tomber dessus. Tranquille. Allez, Nero, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Je pense que c'est ça, du coup. Oui. Dague ornementée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette suite? Décidément, ces suites-là. Pour fusil de chasse. Est-ce qu'on va retrouver un miroir? J'aimerais bien. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Cause de la mort, coup de couteau. Et l'autre, c'était serpent. Ça sent l'énigme encore, hein. Ça sent l'énigme et on n'a pas résolu cette histoire de calendrier aussi. Hein. Et ça, ça m'embête. Et dans la salle de bain... Oh, c'est quoi ce trou là? Oh, ça ne me dit rien qu'il vaille. Coupé à viande. Bon, bah, on n'a pas trop le choix, hein. Alors là, du coup, on est dans la King Suite. Celle juste à côté de là où il y avait Lisa dans l'autre monde et là où il y a le miroir, d'ailleurs. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien.
pas encore. Ah, ça c'est chouette. Oh, il y a des trous partout. Eh ben, on va aller dans le trou dans le mur. Je pense que ça va me mettre dans la suite d'à côté. Ah non, ça m'amène dans la maintenance. Le long couloir de maintenance. On peut pas prendre ça, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là plutôt. Vu que c'est un cul-de-sac normalement au fond, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Cause de la mort, cœur brisé. Beaucoup de photos avec des morts. Hein. Il fait trop sombre pour y voir quelque chose. Ok. Ah, là on peut regarder. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, génial. Ils sont fait déchiqueter. Il fait trop sombre pour y voir quelque chose. Bah, là, pareil. Magnifique. Là, c'est d'où j'arrive. Il fait trop sombre. Bah là, je crois que j'y suis déjà allé. Alors, il y en a un là. Je m'attendais à mieux ici. On est revenu dans la maintenance. Verrouille cassé pour le storage. Alors on a encore une note ici. Alors, un fantôme. Ce n'est pas faire semblant, n'est-ce pas? Nous savons tous les deux que cette chose à Cedar Grove n'est pas toi. Tu es morte le jour où tu as essayé de tuer notre fils. Quand je t'ai apporté ton cadeau aujourd'hui, quand tu l'as fracassé, je me suis finalement réveillé. J'ai rêvé pendant toutes ces années, me mentant en pensant que tu irais bien un jour. La Hélène que j'ai aimée est morte. J'essaie de me rappeler comment c'était toutes ces années en arrière quand nous nous sommes mariés. Je ne me rappelle plus, je suis fatigué. Je sais que Travis s'en sortira seul. Je vais te revoir, Hélène. À toi pour toujours, Richard. Mais ne se serait-il pas suicidé? Bon, bah du coup, je vais revenir dans l'allée des chambres 500, là. Mais j'y suis pas allé dans ce monde-là. Si, j'y suis allé. Mais j'ai pas la clé, là. Comment je vais faire? Ah oui, c'est verrouillé. Comment je fais, moi? Ah, par contre, il y a un miroir. Il y a un miroir. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai comme objet là? J'ai le cœur. C'est tout ce que j'ai. Je peux pas l'ouvrir. Bon. Eh ben on va revenir dans l'autre monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et 53 minutes, on va pouvoir sauvegarder. Hein. Par contre, il n'y a pas du tout de symbole dans le coin. Je crois qu'il me manque vraiment l'énigme du calendrier, en fait. Je vais regarder, vu que je suis à côté cette fois-ci, dans le trou. J'avais regardé, je vais revenir dans le grand couloir. Là. Oh non. Oh, t'es sérieux.
saleté. Ah, lui, il disparaît, par contre. Alors, je vais retourner dans le petit tunnel. Alors, je sais plus quel trou c'était, mais c'est pas grave. Et on va essayer de voir l'année. Par contre, je suis certain que c'est 29 février. 12 février, pardon. C'était lequel? C'était de ce sens-là. Ah oui, voilà. Oui, mais c'est pas marqué. Comment je fais, moi? Je peux pas zoomer. Eh ben, je sais pas. Et du coup, dans la chambre de Lisa, là, y a plus rien, j'imagine. Oh là là, punaise, on voit... C'est pas possible. On peut pas bien interagir avec une caméra pareille. Du coup, elle a repris son veston et elle s'est barrée, ouais, c'est ça. Bon, bah non, je ne sais pas, là. À moins qu'il y ait un document avec l'année dessus. Et c'est bien 12 février, ça c'est sûr. C'est une année bissextile, du coup. Mais encore faut-il savoir laquelle c'est. Est-ce que c'est pas 1961? Mais je l'ai fait. À moins qu'il faut appuyer sur une touche de validation. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, du tout, du tout. En tout cas, tant que j'ai pas cette clé là. Ah! Où est-ce qu'il y avait un étau? Attendez, j'ai une idée. Je crois qu'il y avait un étau dans cette salle. Si je m'en servais pour le cœur, ça va peut-être m'aider à l'ouvrir. En plus, il y avait un gros zoom sur l'étau. Là. Et en plus, je crois qu'il y a la même couleur que le cœur, là. Yes! L'alliance. Qu'est-ce qu'il y a sur cette alliance? Il y a un message gravé sur la tranche de l'alliance. On peut lire à ma mariée de juin. Je t'aimerai toujours, Richard. Ma mariée de juin. Et... Alors, est-ce qu'il faut que je revienne à la chambre où il y avait les habits de mariée, là? Il y a des chances, hein. Il y a des grandes chances. J'ai envie d'essayer. Je sais à peu près où elle est. Elle est dans le... La première map où je suis allé à l'étage, maintenant je sais plus juste la chambre, il n'y en avait que trois potentiellement ouvrables de toute façon. Et je crois que c'était la première que j'avais faite. Alors si je vais là, je prends les escaliers de suite.
Je suis à une heure de jeu, je suis désolé, mais j'ai pas de point de sauvegarde de toute façon. Et j'aimerais résoudre ce... Enfin, résoudre ce mystère. Je garantis pas que je vais y arriver là. Je garantis pas que ce soit le bon passage non plus. Je crois pas que j'étais monté de ce sens-là. Quel labyrinthe. Non, je t'ai pas monté par là. On va essayer la 316. C'était là où il y avait les vêtements. Ouais, c'est ça. Alors si je mets l'alliance ici, je peux pas l'utiliser. Non. C'est très curieux. Et ben. On se casse, on va aller sauvegarder, puis on va s'arrêter là, on reprendra la prochaine fois, hein, les amis. Alors attendez, parce que j'y suis pas encore. Si je redescends là. Ah bah ça me met. C'est nickel. Donc on va redescendre par là. Ok. Et là, on va rejoindre la réception. Réception, parce que si je passe par là, il y a encore des ennemis. Donc, comme la dernière fois, on se la joue safe et on repasse par là. Et du coup, ouais, j'ai toujours ce calendrier de malheur là. Alors, ça, je comprends pas, hein, par contre. Il me manque une année. Bon, et ben voilà, ça y est, nous sommes revenus de nouveau. Au point de départ. Ceux qui regardent que les débuts de vidéo, parce qu'il y en a qui le font, c'est-à-dire que je comprendrai jamais qu'il reste 2 minutes et puis qu'ils se barrent. Eh ben, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il revient toujours au même endroit, ça se trouve, il upload toujours la même vidéo. Mais pas du tout, pas du tout. Bon, en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu également. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la page, surtout, c'est le plus important. N'oubliez pas le petit like et le commentaire. Et puis, ben, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Silent Hill Origins. Allez, salut à tous!